Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une présentation d'un album. C'est un album que j'ai fait avec des photos du zoo Paradise en Belgique. Donc ça vient d'un blog de Chat Action. Je ne vous redis pas au fil de l'album. Ça, c'est un coloriage qui vient d'un bloc de coloriage pour faire des cartes. Un autocollant qui vient de chez Action. De toute façon, tout vient de chez Action, à part les photos. Sinon, tout vient de chez Action. Et ma pâte à texture. C'est tout. Alors, ça fait 4 fois que je fais la vidéo. J'arrive pas. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, donc du coup, ça ne va pas. Un tamponnage de chez Action, un petit autocollant. Là, j'ai fait un ours avec des pochoirs de chez Action qui étaient en carton. Et j'ai mis du Rainbow Smooth marron. Mais j'aurais dû mettre un peu d'eau pour que ça se dilue dans les trous blancs. Mais bon, c'est pas grave. Me plaît bien comme ça. Donc voilà l'ours, il est là. Donc là, un autre ours en coloriage. Il y a aussi les papiers, des paquets verts, bleus, rouges et jaunes de chez Action, les 15 par 21. Là, un nouveau coloriage. Un papier 15-15. Et là, c'est un tamponnage en bois de chez Action. Alors, désolé pour le bruit. Il y a mon fils qui est parti à la sieste, mais il n'a pas envie de faire la sieste. Et mon conjoint qui bricole. Donc, un MacMond qui va avec les autocollants. Les flamants roses. Donc du coup, il y a les flamants roses, ça va avec un bloc 15-20 de chez Action aussi. 15-21. Un autocollant. Donc c'est pour ça que j'ai refait plusieurs fois la vidéo. Parce que je ne dois pas faire voir les photos, qui est sur la photo. Et ça fait 2 fois que j'oublie de mettre quelque chose devant. Donc ça, c'est les cartes qu'il y a dans le bloc. Je les ai coupées. Il y en avait plusieurs, donc je les ai inclus dedans où je pouvais. Là, j'ai mis un phoque avec le ballon que j'ai fait en pâte à texture sur du papier 15-15 de chez Action. Là, c'est les pandas. Un tamponnage de chez Action pour le lion. Les singes. Et là, il y a un petit singe en tamponnage. Le lion. Bon, celui-là, il n'est pas très bien fait. Il me semble qu'il y avait ma fille dans ma pièce. Donc, du coup, j'étais pas très bien concentrée. Une carte du bloc. Un tamponnage, une carte, je la trouve trop belle. Alors là, j'ai refait de la pâte à texture, mais je l'ai laissé en blanc. On verra si je le mets en gris ou pas, mais j'aime bien comme ça. Là, un autocollant, des éléphants. Alors, je m'excuse pour le bruit, mais je pourrais pas faire mieux, il y a toujours quelqu'un qui fait du bruit. Ou quand ils font pas du bruit, ils dorment, alors du coup, je ne peux rien faire. Là, c'est un die cut que j'avais eu dans une collection paper block de chez Action. Un flamant rose. J'essaie de
m'activer pour faire toutes les créations que j'ai commencé, finir et faire les créations que j'ai à faire pour le baptême de mon fils, une petite un petit bout. Parce que ça arrive vite. J'ai fait les faire-part d'invitation, je vous ai fait une vidéo, je sais pas encore si vous l'avez vu. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est un short. Je n'avais pas encore essayé, du coup, j'ai essayé une plume. Là, j'ai refait un petit animal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout. Ça va dans l'eau, c'est un grand bec jaune. Et ben, j'ai pas la photo dedans, c'est dommage. Mais comme on l'a vu, je l'ai mis là. Et là, j'ai mis un signe parce qu'on en a vu pas mal aussi. Et voilà. Donc j'ai fini. Ça y est, cette dernière vidéo est passée. J'ai réussi enfin. Donc je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.